Oh là là, désolé, le bruit de la machine. Nous sommes samedi, il faut que je me dépêche. Il est 14h11, j'ai rendez-vous à 14h30 à l'atelier du sourcil. Mais en fait j'aurais bien voulu tourner, j'ai une vidéo, enfin une ou deux vidéos à tourner absolument. J'aurais bien voulu en tourner au moins une avant, parce que j'ai peur du coup que, vu qu'elle va me faire une retouche des sourcils, que ce soit encore foncé. Mais du coup là j'ai pas du tout le temps, il est 12. Je viens de marcher dans l'eau de la douche, voilà, c'est super sympa. Du coup là je viens de me laver les cheveux tout ça, je me suis séché. Je vais me sécher vite fait les pieds parce que là je peux pas les remettre dans mes chaussures et j'ai plus beaucoup de chaussettes. Là il y a une machine qui est en train de tourner, enfin bref. C'est un petit peu la galère, donc du coup je vais vite fait faire ça et ensuite j'y vais. Je voulais y aller à pied à la base, mais là du coup j'aurai pas le temps, donc je vais prendre la voiture. Un peu bête avec ce beau soleil, mais bon là j'ai vraiment pas le temps. Bon, il y avait l'air de faire bon dehors, du coup j'ai pas du tout pris de veste. En plus j'ai vu qu'il y avait des gens en t-shirt, donc écoutez, j'espère rehausser un petit peu mon chaud ou mon truc, mais je peux remonter les manches. Je pense que dans le salon il fera pas super chaud, donc ça ira. Bon, il y a quand même du monde, enfin il y a beaucoup de voitures. Je sens un feu rouge. C'est dans 4 minutes, je ne suis pas encore au parking, tout va bien. J'ai trouvé de la place qu'au moins 4 quoi. Bon bah du coup je vais être un petit peu en retard. Là j'attends l'ascenseur. Peut-être une fois de monter à pied. En plus, il faut encore que je marche après parce que c'est un peu à l'autre bout de la rue. Il est plus de 30, super. Jamais à l'heure cette fille. Donc voilà, c'était plutôt rapide. Donc du coup, mes sourcils sont un petit peu foncés là, puis un peu rouge. J'avais mis un peu de correcteur, mais quand même. C'est de la crème du coup sur mes sourcils. J'espère que je me sens bien parce qu'il me semblait que j'étais au moins 4 et que j'ai pris l'escalier. Enfin, elle a son genre. Au moins 3. Hop, je suis arrivée. C'était vraiment l'enfer au centre-ville. En fait, il y avait la braderie. Donc, c'est pour ça que le parking était bien plein. Et pour marcher, j'ai de slalomé entre les gens. Moi, ça, je suis impatiente comme fille. Alors, je trouve ça insupportable. Et du coup, ça m'a fait perdre bien 10 minutes. Enfin, 5 bonnes minutes. Donc, pour mes sourcils, bah, vous voyez que c'est encore bien foncé puisque on vient de le refaire. Donc, c'est pareil comme la dernière fois. Là, pas d'eau, pas de soleil, pas de sauna, même tout ça, piscine, enfin bref, voilà. On les laisse tranquilles le temps que ça cicatrise, que ça croûte un peu et que tout s'enlève. Et puis ensuite, ça reviendra au résultat naturel. Donc voilà, et la retouche, là, elle m'a dit que ça tenait plutôt bien, que ça avait l'air en tout cas de bien tenir sur ma peau, donc que non, la retouche ne serait pas avant 4-5 mois. Donc ça c'est cool, et en fait plus vous retouchez, et bien plus en fait vous allez se passer les séances de retouchage quoi. Il y en a qui n'y vont plus qu'une fois tous les ans, donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Bon, il n'y avait pas celle qui s'est occupée de moi la dernière fois, mais avec une autre du coup j'étais. Elle m'a dit du coup qu'elles ont vu ma vidéo que j'avais fait pour eux, et qu'elle avait été très contente, que j'avais tout dit en gros, et qu'elles se sont fait la réflexion en fait. Quand elles ont vu ma vidéo, elles ont dit mais on dirait qu'elle travaille là-bas, mais pas du tout. C'est juste que j'ai essayé de bien me renseigner, enfin en même temps je trouve ça normal, bon, j'ai pas du tout été payée pour cette vidéo, mais même, je veux dire, quand je bosse avec une marque, bah j'essaye de faire au mieux quoi, enfin pas bâcler la vidéo, donc j'avais essayé de plutôt parler de tout. Donc là ce que je vais faire, c'est que oui j'ai des vidéos à filmer, mais je pense que je vais d'abord monter le vlog, comme ça ce sera fait. J'hésite à me prendre mon goûter maintenant, il est 15h43, je commence à avoir faim en fait. Et ensuite je tournerai ma vidéo, mais du coup mes sourcils seront un petit peu foncés, donc je trouve ça un petit peu relou, parce que genre dans ma vidéo l'atelier du sourcil, j'avais bien précisé... Je vais mettre un coup de fesse dans le cactus. J'avais bien précisé que c'est normal que c'était foncé parce que je l'avais fait la veille et que ça allait devenir plus clair. Il y en a plein qui ont dit c'est pas naturel, c'est trop foncé. C'est pas comme si je l'avais dit dans la vidéo, du tout, non. Donc voilà, je vais me poser, je vais monter le vlog. Je sais pas encore de quel jour je mets dans le premier vlog et dans le deuxième. Enfin bref, je vais commencer à monter la première partie. On verra bien. Là, j'avais commencé à faire un petit texte sur la vidéo que je vais filmer. Mais bon, c'est une vidéo qui sortira la semaine du 30 octobre, je crois. Et il faut que je filme, enfin que je monte la vidéo de lundi, et j'ai aucune autre vidéo de filmer. Donc il faut absolument que je filme aujourd'hui, que j'en filme plusieurs. Bon, je sais pas pourquoi, mais pour le coup, j'avais grave envie de chouka pic. Donc du coup, ce sera ça, mon goûter. Ça fait un peu goûter d'enfant, et c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Mais j'avais trop envie de ça. Et je vais vous montrer vite fait, j'ai reçu mon colis Woman's Best du mois ce matin. Donc du coup, j'ai pris un nouveau BCA, c'est la dernière saveur que j'avais pas sur leur site. C'est fraise kiwi. Voilà, donc j'ai grave hâte de goûter, parce que sachant que genre melon j'ai trop aimé, pomme verte j'ai trop aimé, donc là on verra.
Ensuite j'ai pris des daily vitamines, donc ça c'est le truc pas du tout indispensable à prendre. Ensuite j'avais déjà ce legging mais pas avec la bande et pas avec l'écriture en fait, mais déjà en cette couleur et je le trouve trop joli. Ensuite j'ai pris un, enfin pour finir, j'ai pris un débardeur comme ça. Donc j'avais le même en blanc et je le trouvais très bien, donc je l'ai pris en noir. Et voilà, maintenant je vais manger mes petits chocs à pic et faire du montage vidéo. Et du coup hier j'ai goûté ça. Je vous laisserai aller voir sur mon Instagram sport alimentation pour avoir mon avis. Voilà, mais sinon il est excellent au niveau de la compo, franchement nickel. Mais allez voir si jamais vous voulez avoir mon avis et savoir comment je l'ai cuisiné. Voilà, c'est cette petite chose que je vous avais montré dans mes trucs de course. Ça y est, j'ai fini de monter mon vlog, j'avais déjà pas mal avancé hier, heureusement. Les gars, je suis de retour. Oui. Ma plante a changé de côté. Non, c'était juste pour filmer une vidéo. C'est trop bizarre, mon Jeff paraît extrêmement flashy. Là, donc il est 17h57. J'ai tourné deux vidéos, donc il y en a une, je pensais pas du tout la faire. Et je sais pas, l'idée m'est venue comme ça. Bon, pour l'instant, j'ai monté qu'une vidéo. Là, je vais prendre le linge parce que j'avais fini ici tout à l'heure. Pendant que la vidéo est en train de se monter, parce que c'est assez long. Parce que c'est assez lourde, on va dire, la vidéo. Donc voilà. Oh, ça tombe bien, il y a un vlog de Mia Baby Chou de 17 minutes 50. Non, je pense pas que je mets 17 minutes hein, pour prendre le linge. Hein. Bon bah j'ai fini de pendre le linge et je pense que je vais vous laisser pour ce vlog. Il est 19h30, j'ai encore du montage à faire, enfin pas mal de petites choses à faire. Mon copain m'a proposé une soirée ce soir et je pense que je n'irai pas. Tout simplement parce que déjà je suis un peu fatiguée et que demain je vais à la salle bah, toute seule, voilà. Donc du coup, voilà, demain c'est ma séance jambes-fesses, je ne peux pas louper ça, voyez-vous. Je suis quelqu'un qui préfère, oui, dormir le soir et aller à la salle le lendemain. Voilà, là, de toute façon, je vais ranger encore des petits trucs. Donc, je vous laisse pour ce vlog. Je sais pas trop si j'aurai beaucoup filmé aujourd'hui, je pense pas trop. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche pour un prochain vlog. Bisous.